ça avec un peu de tristesse. On a regardé les gens malheureux, malheureux. Dans le bidon Vigno, notamment Belin, Tokyo, la Saline, les bonnes bandits bien armés, à tuer, à couper, à bracher. Alors que je dis qu'un gouvernement en deux pays, il n'y a aucune disposition pour protéger mon pays. Moi, je crois que c'est un problème qui est très très grave. Ben, c'est un génocide que n'importe pays doit même débarquer en Haïti pour protéger Mounsayo. Et c'est un bon droit de faire ça. Moi-même, je crois que l'élection possible en pays. L'élection pas possible parce que tout le monde qui peut aller voter, bon Mounsayo, il y a couru derrière, il y a même fait 4 démalogues là, et 4 démalogues là, d'après ça, ils sont bien. Je dis que les gars ne sont pas meilleurs à distance, ils doivent modifier le résultat de l'élection. Et je dis que 4 démalogues là, où on doit voter, et puis il faut voter 5 fois, 6 fois sans qu'on ne soit pas. Donc, nous crois que c'est un véritable toiboyu, c'est un véritable tchaka. Politique là en d'un pays hein? Et personne ne peut dire que satisfait avec je bagaille au balai là. Et pourquoi ça qu'on en a pour vivre des questions? Et bien, on y a un autre pour l'entendre. Mais c'est pas qu'on y a. Alors, je vais parler moi-même. Mais depuis que l'émission est même sortie honnête, il faut qu'on ait un C4 d'explication même pas fonctionnelle, c'est des malogues là. Et sous pas fait le qui j'en fonctionne. Bon, si toi et malade, je vais faire ce passé là, ça nous va faire un bâton de joie. On va obliger de reprendre encore. On va voir que M. Espoir le fait, le ministre dans le zéro là pour grand ici. Oui, le ministre s'est sorti en note et il fait connaître que les quatre destinations nationales, l'ancien pas et fonctionnel encore, c'est des malades fonctionnels. Justement, ils ne sont pas faits des malades qui ont encore fonctionné, justement, on a été pour la fin. Ça avait le renouvelé passeport, tout ça. Bon, et qui vivra verra. Mais nous-mêmes, nous pensons que, moi-même particulièrement, moi, j'ai une action, je fais pour le KIP ça. Le KIP a bloqué. Même si nous ne sommes pas comme ça, il est bloqué. Ouais, il n'y a pas qu'à foutre dans la cassation pour abriter ses mains, parce qu'il me faut opposition de la cassation. Ah, ouais, mais ouais. Déjà, le président fait qu'on ne veut pas l'élection faite. Ah, mais attends, mon frère. Bien qu'il y ait l'élection pas faite illégalement ou KIP, ses amis présidents se mettent à donner. Ouais, son KIP, peine tête. Donc, on va fouiller tête ou après. Il va falloir que ça me touche là. Oui. Bon. Eh bien, moi, je vais vous attendre, je fais opposition. 18 semaines prochaines, nous avons action en inconstitutionnalité, nous allons déposer dans la cassation pour la cassation prononcer en tant que pouvoir. En tant que pouvoir, le pouvoir doit arrêter nécessairement le pouvoir. Et puis, le pouvoir, c'est la justice. De la justice prononcée, quand nous sommes payés pour tout le monde obtempérer, parce que nous sommes déjà dans une dictature. Et dans une dictature, nous vivons. Et c'est ça fait moi-même, je vais être mes bagailles, je vais faire ta les comme. Depuis bagaille, code pénal ça, moi j'ai été sorti avec là. Yo qui bel tout nous, ça n'est pas capable à dans le pays. Donc ça n'est que je fais avec le pays, je regrette ça. Yo pas capable de faire. Parce que nous pas accepter. Moi-même en tant que constituant, je ne peux pas accepter pour constituer ce que le peuple nous fait, que le peuple a faute, l'a fini, pour ne pas monter, je descends pour aller sous lit. Je ne peux pas accepter, je vais mettre pourquoi je vais vous mettre. Quels sont les grands amis qui ont fait parler de vous sur les demandes et les kidnappings qui ont fait parler de lui? Quelle position avant ça? La position de tout le monde, nous ne pouvons pas faire gang. Gang, c'est pas qu'il y a une prison. Nous ne pouvons pas faire gang. Mais c'est la réalité. Mais c'est ça que fait nous, faut que nous résister contre le gouvernement. Ça, ah, au gouvernement qui gagne gang, qui va tirer dans la gang, ce gouvernement gang. Et question kidnapping non. Même bagaille là. Même bagaille là, même si. Bon. Matéen, on a un immigré. Qui dit yo kidnappe aux zombies, ils ont machine la police.
pour nous habiller en police, baradier policier, yo kidnappons nous, c'est $32,000 américains, pas eu la ville. Matin. Nous avons le gouvernement. Dis-nous, M. Joy, qui position par rapport avec les cambriolages qui sont faits et les greffiers et les paquets de population? Je ne peux pas gagner des informations précises, mais je ne peux pas gagner le dossier. Je ne peux pas gagner le dossier là. Le dossier là, c'est le bruit du dossier là. Vous confirmez ça? Je confirme le dossier là. Yo ka te vin deye l, kout ta site bete l la, li de ta site li chanje l, yo ba jwen ni. Dosye ala. Ti bo koket la wap monsye? Net alkole, Dorval pou jwen justice. Ou panse e pa doni met Dorval avjen justice? Renan Jordi, Dorval avjen justice. Ve nou plis kon milye avoka ki sou dosye sa. Nou koubi ten ou panse met Dorval avjen justice? Bon, an matye de justice, pa kou avoka kabotan. C'est bon Dieu, c'est qui est important. Dans quel niveau le dossier est là pour le moment? Le dossier est dans le cabinet de discussion, le juge attendait 4 millions d'arrêtés déjà. Mais, il faut être droit dans le dossier. Je dis plus, il faut être droit, je veille. Mais il faut être droit dans le dossier pour changer de nom. Mais nous avons nous là, nous avons jusqu'à présent, beaucoup de jeunes connaissent et autant intellectuels comme ça. Tout le monde connaît. Ça arrive pour vous là, pour arriver pour tout le monde. Vous savez qui même pas connaît? Non, non, vous connaissez. Mais dis-nous. Bon, même du tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Bon, faut dire souffrir. Bon, si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Et maintenant, vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Bon, l'autre bagage, vous le dites, monsieur. Si tout le monde connaît l'autre de nos jeunes, vous pouvez regarder ça avec nous. Et traînez-le devant la justice. Traînez-le devant la justice. Ça que vous le faites. L'autre bagage, vous le dites, nous, vous êtes tous. Nous souffrons de lits, nous victimes de lits, vous avez écrit des digicelles dans le pays. Digicelles? Ou téléphone ou pas qu'à gagner signal sur lui. Si elle a monté des sons, on va parler au monde là, le coupé. C'est parce que le monde qui est responsable de la tête là, dit qu'elle est dans le confiolo avec Digicel, qui fait pas capable. Et fait Digicel ranger par ailleurs, fait le payer, parce que Digicel a volé l'argent peuple là mal. Ça sont vols liés. Le monde font appel, il faut faire 3-4 appels pour un appel. C'est parce que ça m'a dit là, nous tous nous connaissons. Et nous faisons pour nous courir de Digicel. Cap riche sous tête nous injustement. Nous recevons la justice, cap de justice. Et alors rapidement, je prends un point cambriolage parquet. Je prends un point note de presse, oui, premier ministre en langue de circulaire. Et pour finir, je prends un dossier choléra. Nous-mêmes comme avocats, nous avons toujours fait promotion, respect de l'homme. Et ça fait une structure de défense des droits humains, ça fait les cadeaux. Le cadeau a pour principale mission de veiller à ce que les libertés individuelles soient respectées. Notamment le droit à un procès équitable, le droit d'accès à la justice. Maintenant, nous avons constaté que le délabrement, la détérioration du parquet, du greffe du parquet, constitue une atteinte grave au droit d'accès à la justice. Le où dans plusieurs années, il y a cambriolé greffe au parquet, ça fait qui ça? Ça mettait monde qui est de prison en situation de peur. Laissez-moi partager avec vous cette expérience. Il y a monde qui a 15 ans, il y a monde qui a 16 ans, il y a monde qui a 17 ans, il y a 11 ans en prison. Leur retirer les poils en assise criminelle ou même comme avocat qui a fait un cadeau, leur arriver en dans greffe là ou ban numéro dossier, tout dossier ça a perdu. Maintenant, leur bon monde qui a 15 ans en prison et puis leur même comme avocat, soit une volonté ou aller d'el et qu'on arrive au jeune dossier perdu, rendez-moi fou sage, vous tuez cette personne encore une fois. Si ce n'est pas nous même comme avocat qui a volonté pour nous mettre dehors, pour nous mettre pression
sur les greffiers pour au moins qu'à aider jeune dossier ça. Maintenant dernièrement c'est moins faux reportage de greffe poker. Nous sommes à belle blague dans ta lieu. Moi ma maison neuve nous camper deux rats jetés. Rat cap courant dans greffe poker. Rat cap manger dossier yo. Moi même moi vend d'un côté au stocker quand de laisser poule cap couver. C'est pour mon taux état de détérioration. Pas de sécurité. Dossier pas en sécurité. Dossier on dit la pluie de l'eau mouillée. Moun kap travail dans bureau même franchement, li chita son chaise, c'est allumer ta placatox li pour l'objet allumé parce que main grand pinaise empêche le travail. Mais est-ce que en plein 21e siècle n'a pas les deux on ba les droits moun n'a pas d'accord que greffe pas qu'il en état ça. Et comme cerise sur le gâteau, le greffe a été cambriolé. Et malheureusement, on a déplacé les pièces à conviction du dossier d'Oval. Ça ne m'étonne pas. Parce que là, on même comme avocat qui a travaillé dans le domaine de droits humains, chaque jour, vous faites conférence, vous dites, pour qui ça ne pas budgétiser et entretien greffe-là pour moderniser le service-là. Parce que là, même comme avocat m'a parlé comme ça, c'est parce que je voulais contribuer à combattre ça, la détention préventive prolongée. Parce que tout autant greffe la moderniser, ça rend le dossier plus facile, ça rend le travail plus facile. Le avocat a un numéro code, le nickel entre sur ordinateur, dossier monté, puis il peut mettre tout travail. Mais si on a fonctionné à l'état archaïque, à l'état féodal, à l'état ancien, ou qu'on comprenne combien de temps on a fait dans la prison toujours, on ne peut pas parler de lutte contre la détention de prolongée sans moderniser greffe. Deuxième point. Dossier circulaire du ministre de la Justice annulant la carte d'identification nationale. Depuis le fait, depuis le map apprendre, j'ai un an sur le tableau de l'ordre des avocats, c'est pour me saisir comme ça comme avocat. Moi, les mettre mes amis côté. Je dis mettre mes oeuvres, oups, quel gâchis. Vous comprenez? Un circulaire qui annule un décret. Vous comprenez? En droit administratif, il y a ce qu'on appelle le principe du parallélisme des formes. Ça veut dire son décret qui pour annuler l'autre décret. Maintenant, décret qui te baille. Et on dit création bien code d'identification nationale, code de mise sur Bonifacio. Maintenant, si nous besoin modifier le avec l'autre série de code, maintenant son décret pour nous prendre, qui pour annuler décret ça. Organisation qui font action par devant le tribunal administratif pour demander nullité décret. Ce qui veut dire qu'il est quasiment impossible que décret annule un autre décret parce que le décret est querellé. Donc voilà pourquoi nous-mêmes comme avocats, nous obligés de tirer la sonnette d'alarme. On se demande si le ministre a des avocats. On se demande si ce gouvernement dispose d'avocats spécialisés en la matière qui permettent yo ou est scandale ça. Oh, à partir de cette note, le ministre de la Justice annule, etc. Non, mais c'est pas sérieux ça. Si nos pays gagnent état de droit, prenez le respect des lois, ou pas qu'à bonne ça comme bêtise. Côté que vous dites, un circulaire annule automatiquement un décret. C'est illégal. C'est inacceptable. C'est inadmissible. Nous-mêmes, comme avocats au niveau du cadeau, au niveau d'advocatus, au niveau du cabinet Maisonneuve, on ne peut pas accepter de telles dérives. Et ça, monsieur, fait la relève trafic d'influence, puisque le dossier est par devant le tribunal administratif. Ils ont fait sauter son note, ils sont en train d'influencer les juges de la Cour supérieure des comptes. Lorsqu'ils sautent son note comme ça, ça veut dire que ça, ou bien tant influencer arrêt qui pourrait sortir, qui pourrait dire oui ou non, est-ce que décret est illégal ou bien est-ce que décret est illégal. Donc, à travers le gouvernement, ça, on ne remarque que des actes illégaux, des agissements illégaux, des agissements teintés d'illégalité. Nous-mêmes comme avocats, nous obligés de la population, voilà ce qui se passe. Et on a été mobilisés parce que nous-mêmes, tout comme avocats, on va faire des actions par devant le tribunal. Parce que je ne vais pas parler dans la télévision seulement, on va poser des actions.